Donc, je suis actuellement Technical Supervisor. J'ai démarré chez TNS en août 2015. Donc, j'ai commencé en tant que consultant junior et ensuite pris un rôle de TPM, Technical Project Manager, de coordination technique, et actuellement Technical Supervisor. Après une année et demie en tant que consultant junior au sein de TNS, j'ai évolué vers le rôle de Technical Project Manager. Donc, ça m'a permis d'acquérir des compétences en gestion de projet, gestion technique, communication client également, pour pouvoir mener à bien un certain nombre de projets au sein de TNS. Après le rôle de Technical Project Manager, je suis passé sur un rôle de Technical Supervisor, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences supplémentaires en gestion financière, de budget, gestion humaine aussi, tout ce qui est entretien annuel, gestion de nos équipes, de nos consultants, et ainsi qu'une partie sur le recrutement. C'est un poste qui me permettra après d'évoluer sur des fonctions de manager. C'est vraiment mon manager qui m'a accompagné dans cette évolution. On a passé beaucoup de temps ensemble, en temps de formation, un peu coaching également. Et on fonctionne toujours, même encore maintenant, un peu en binôme sur pas mal de sujets. Ce qui me plaît beaucoup dans mon poste actuel, c'est justement cette gestion humaine, un peu RH, que j'ai démarré et que j'avais pas dans mes postes précédents. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de lier une relation professionnelle avec ces consultants, de les accompagner vraiment au sein de leur carrière, un peu comme mon manager m'avait accompagné au début. Donc pour moi, c'est l'aspect le plus intéressant. Ouais. Pour moi, la force de TNS, c'est vraiment ce dynamisme, ces perspectives d'évolution de carrière. Effectivement, dans l'espace de 2 ans et demi, j'ai pu évoluer suffisamment rapidement et je trouve que c'est vraiment une force chez TNS. Ouais.